Yo les amis, bienvenue en compagnie de Ghost of Shadow, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour du Guild Wars, donc le dernier chapitre. Nous sommes au dernier chapitre apparemment, ce que j'ai pu regarder hier. Donc on va essayer de finir le jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, je mettrai peut-être pas toutes les vidéos aujourd'hui, enfin je sais pas combien de temps ça va durer. C'est le dernier chapitre donc je vais faire seulement la vidéo en intro, donc oui, on verra bien. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis je vous dis donc bon visionnage à tous. Et que notre aventure continue. La voilà, ton radio, droit devant. Ok, qu'est-ce qui est arrivé au robot de Jean? Je crois que les piquants de l'écumeur l'ont piraté. Comment c'est possible? Un champ bioélectrique, peut-être? Ouais, peut-être. Ou un genre de canal ionique sensible au voltage? Oh, aussi, peut-être. Ouais, ça y est, tout c'est clair. Tu trouves? Excusez-moi, putain. Ok. On va changer le PDF. Allez, je vais pas prendre ça. Je peux prendre, c'est bien, mais. Ok. Bloqué. Il va falloir contourner. Bon, on contourne, pas de soucis. Faut lui demander. On va couper ça. Voilà. Qu'est-ce qui est bloqué dans la porte? Ouais, d'accord, tu m'étonnes. Bibliothèque complète. Hey, y a une usine par là. On pourrait la traverser. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Hein. Annie! Vas-y, détruis-les! Attention à l'explosion! Petit, fermé! Ouais, voilà, la grenade c'est beaucoup mieux. Hey! Y'en a d'autres par là! Les gars, on a un sion! Repli, mettez-vous à couvert! On prend ça. C'est une précise. Aidez-moi! Oh merde! J'ai pas vu la grenade, que con! Ne bouge pas, j'arrive! Non, non! On peut pas toi. Il est mort. Annie. Encore. Prendre ça vite fait, ça va m'aider. Ok. Il
putain, ils nous encerclent quoi. C'est à moi maintenant. Putain, j'ai pas le temps. Je suis là. Merci bien. Oh là là là. Putain, j'arrive pas à ce truc putain de gros là. Voilà. C'est à moi maintenant. Non. Putain, ouf. Crève. Ok, c'est dégagé. Ça faut être dans l'usine avant qu'il y en ait d'autres qui rappliquent. Ah, c'était chaud tendu. Mais bon, c'était sympathique. Alors, on va aller là-bas maintenant. C'était fort sympathique, fort sympathique. Fort sympathique, fort sympathique. Petit combat comme ça là. D'abord, on va y aller, je vais voir si je peux pas prendre des munitions. Tant qu'à faire. Ok. On va prendre ça, on sait jamais, ça peut toujours servir, même s'il n'y a pas énormément de balles. 184. J'arriverai pas tout seul. Bah je crois que je peux pas la prendre finalement. Dommage. Regardez-moi ça. Une vieille usine Centaure. Et donc, tu voyageais dans ces poubelles? C'était pas trop pourri. Il fallait se serrer. Et ça tombait toujours en panne. Ça avait l'air ah oui, un peu c'est pourri, vrai, les anciens véhicules. Ouais, peut-être. Mais ils faisaient du bon boulot. Ah oui, ils faisaient du bon boulot, je me rappelle bien, oui. Effectivement. Ok. Bon, où est la sortie ? Tout a l'air bloqué en bas. Cherchez un moyen de monter. C'est bon, je trouve le moyen, je fouille, c'est bon. Faites gaffe, on a des drones! Ok. Allez, marche, putain. Ok, elle est puissante par contre cette arme. C'est coup par coup peut-être, mais... Un drone d'élite. Oh merde, encore un Sion. Je suis à sec. Ok.
lance une grenade. On tente ta tête, enfoiré. Il est temps d'en finir. J'espère que toi c'est un accident. Super. Ouf, mais je veux pas t'attendre là. C'est fini. Il faut qu'on se sorte d'ici maintenant. On ferait mieux de stocker les munitions. Oh, tu crois qu'on en aura besoin? J'ai pas eu de soucis pour l'instant. Au moins que t'en sors dans ce sarcasme. Effectivement, dit comme ça. Ouf, oui. Prends ça. À sec. Comme des grenades, y a pas moyen d'avoir là, s'il vous plaît. Non, parce que ça peut toujours aider quoi. Moi je dis ça après, si vous voulez pas en donner, vous en donnez pas, hein. Pas de foire. La tour radio doit se trouver tout droit, en haut de la colline. Ouais, je suis sûr qu'on arrivera sans le moindre pépin. Pas des grenades là, par hasard, qui brillent. Mais voilà. Cool. Que j'avais dit. Il suffit juste de demander. Et nous sommes servis comme des seigneurs. Je demande des grenades. Et voici. Un nid de vermine. Ah merde, tourelle. Ah, et voilà le pépin. Mettez-vous à couvert. Le nid est hors d'état de nuit. Tu m'étonnes. Je peux l'avoir d'ici. Putain, l'enfoiré. Oh non. Voilà. Non. Ah putain, c'était sûr. J'ai voulu tenter deux frags à tronçonneuse, mais... Attention. Et je fais d'avance. Retourne dans ton trou. Ouais, là on se fait encercler en fait. Rien quoi. Ugh!
C'est à moi maintenant. Oh putain, je voyais rien, bah c'est bon, je fais n'importe quoi là. Je suis trop en mode bourrin, hein. Je fais n'importe quoi, je réfléchis même pas là. Je vais te faire la tourelle et voilà. Mais en fait ils sont tous là, il n'y a personne qui arrive en face. Bon, c'est réglé. Papa, t'es prêt à lancer l'appel? C'est bon pour moi. Prends ça. Ah, chapitre 2. Hé, hey, pas. Attends. Dis-lui qu'on va avoir besoin de plus que quelques lanzors ici. Et que des bottes seraient plus dangereux qu'autre chose. T'inquiète. Il arrivera bien de nous trouver un truc. De toute façon, il y arrive toujours. Oh, j'aime pas ce bruit. Oh non, putain, pas eux. Et puis ils sont nombreux, non? Ils nous encerclent. Putain, on est pas dans la merde. Putain, hein? Merde, tu m'as carrément fait flipper. Pardon? Hein? Yeah. Les renforts arrivent. Ça va prendre encore longtemps? Assez pour qu'on ait besoin de ça. Papa, comment on fait? Il nous rejoint où? Pas loin. Mais on a du temps et de la vermine à buter avant qu'il arrive. Bloque les ennemis. Vu le bruit, ça va nous tomber dessus d'un instant à l'autre. C'est pour ça qu'on se retranche ici. Là. Là. Cool. Là. Et puis, en attendant, je pense que ça devrait le faire. Ils arrivent par l'avant. On a un sion. Merde. Il faut que ça refroidisse. Ouvrez-moi les autres, les collègues. Parce que là... Putain, mais c'est pas vrai quoi, c'est une blague. J'ai fait de mettre ça là. C'est où, bon enfoiré? Bien joué, yes. Suivant. Oh merde, des faubes. Allez, bande de salopies. Merde, faut que ça refroidisse. Bien pas chauffé, tu vois, c'est n'importe quoi. Pas une cicatrice. Dégage. C'est sûrement pas le dernier. Construisez tout ce que vous pouvez avant la prochaine attaque. T'inquiète, ça marche. Ok. Donc là j'ai fait un truc, ça marche bien, apparemment ce que j'ai fait. Je pense que je vais faire.
peux venir de cette fenêtre là aussi. Non, ou de là. Je peux venir de là. Attends, on va faire une croisée. Bouge de là toi. Il faut trouver un autre endroit. Attends, tu me gênes, espèce de prix. Ça rentrera jamais. Voilà. Voilà. Allez, refroidis, refroidis. On les repoussera pas éternellement. Mais si. Oh putain. Plus fort, on a fait caler le sonar. On est protégé, vous inquiétez pas. Ça fait plaisir de te voir. Il tire, mais j'y vois pas. Ah là. Vous mettrez même pas à l'abri. Les gars, on a des écumeurs. Allez, garde-moi là. Y'en a qu'un ou y'en a deux? De chaque côté. Ouais. Ah, y'en a deux, putain, y'en a derrière moi aussi. Attends, je mets ces trucs là! Non! Oh putain, il est passé lui. Il est passé le temps pour lui. Je suis deg. Je suis dégoûté. Par contre, ça serait bien que vous tiriez dessus parce que j'aimerais bien me parer de là, moi. Allez, on va m'amener, j'ai crevé. Bon, mais tant pis, je vais crever, voilà. S'il passe, s'il saute de côté, on est mort. Je suis mort. Et voilà, foutu. Il a eu. Putain. Pff, n'importe quoi, hein. Casse tes couilles, c'est con là. Putain, je suis dégoûté là. C'est sûrement pas le dernier. Construisez tout ce que vous pouvez avant la prochaine attaque. Je vais en reprendre là, vas-y. Hein. Là. Il nous attaque par la gauche.
pas le temps, non, c'est pas. Élimine les chasseurs en haut. Ça surchauffe. De 1, yes. Ah oui mon gars, c'est mal là. Tiens, vas-y. Alors, on se prend une merde, hein. On a eu le dernier. Ouais, mais ça devrait pas durer. Reprenez le fabricateur. Encore ? Oh putain, c'est une blague là. C'est une blague là qu'on me fait. Bon, attendez avant de le reprendre. Là. Là. Putain, j'en ai plus là-bas non plus. Ah, si, c'est juste qu'il est devant. Ok. Ouais, je la mets juste au cas où en fait. Si je dois la déplacer, je la déplacerai. Termine, à droite. Oh merde. Attention. Ça va mettre encore beaucoup de temps. Merde. Faut qu'on tienne le coup encore un petit moment. Ah, ça surchauffe. Toi, t'en prends pas la gueule, mon pote. Allez, il m'a eu, je le savais, il me lançait en plein dessus. Là, c'était sûr. Faites gaffe, c'est pas encore fini. Oh non, il manquait plus que ça, mais non. Oh merde, je dirais qu'il sort sa grosse artillerie. Merde. Il y en a deux en plus, ça aussi, hein. Je m'occupe de celui-là déjà. Papa, qu'est-ce qu'il faut ? Et voilà. Je crois qu'elles sont puissantes pour elles. Tu meurs pas avec ça ?
passer, l'enfoiré. Ouais, voilà. Là, voilà le signal. Suivez-moi jusqu'au point de rendez-vous. Ouais, ouais, je te suis. Ah, la fumée verte, ça c'est le rendez-vous, ça. J'y croyais plus. On dirait que la voie est libre. Non, non, non. Il faut que t'arrêtes de dire ça. Franchement. De dire quoi? La voie est libre. J'ai l'impression que tu veux nous porter la poisse. J'avoue. Quoi? Tu rigoles? Non, je rigole pas. Depuis qu'on a commencé, à quel moment la voie a été libre? D'habitude, je dirais que la poisse n'a rien à voir avec les probabilités, mais dans le cas présent, je suis d'accord. Abstiens-toi. Arrêtez, soyez pas ridicule. Regardez partout. La voie est libre. Marcus, ça va pas la tête? Ouais, pas... Je sais pas trop. Ils m'ont un peu convaincu. Ouais, j'avoue. Bon, entre nous. Si je nous ai vraiment porté la poisse, j'assumerai tout seul. Allez, faut qu'on aille à ce foutu point de rendez-vous. Ils sont trop forts. De toute façon, la poste, on va l'avoir. Hein. Il a dit qu'on se rejoignait au croisement un peu plus loin. Il y a un gros truc qui vient vers nous. C'est peut-être lié avec un robot. Vous apportez la poste. Ah non. Carrément, il y a une idée robot géant, lui. Foiré, quoi. Marcus fait la LED, il le fait pas à moitié. Mais c'est qui, voyons voir. Ah ouais. Il est là. T'écris pas. Hé, hey, t'as pas d'amis, Marcus? Putain, les voilà. Non, ça vient un bail, mon pote. Ouais, un bail de 10 ans, c'est long. Tu te souviens de James? Ouais, il a dû prendre quelques centimètres. Tout le monde paraît petit à côté de toi, Oncle Cole. Oncle Cole? Excuse-moi, je t'ai pas offert assez de jouets quand t'étais gamin. Oh, tes jouets, j'en ai vu assez pour le reste de mon existence. Merci. Ces jouets? Kate, Dell, voici Damon Baird, président de DB Industries, dont les bots essayent de nous descendre depuis une vingtaine d'heures. Oh, oh, oh! Cette histoire de dev bot tueur! C'est pas moi, c'est Jean. N'empêche que ces robots portent tes initiales. Tu me dis si un de ces épisodes te semble familier. T'as déserté la CGU, oh ça fait quoi, 6 mois? Et pourtant, personne vient te coffrer. Plus récemment, tu te retrouves piégé dans le camp numéro 5. Et comme par magie, un transport spécial bot débarque et te dit de monter. Ils sont quand même, ouais. Non, sérieusement, papa? T'as demandé à ce connard de veiller sur moi? Et sinon, ça t'arracherait la langue de dire merci. T'es sûr que tu peux y arriver? Si tu savais la journée qu'on a passée, tu demanderais pas. JD prend Jacques Junior. Et que quelqu'un prenne seconde Betty. Là, ça va chier. Ils sont de retour, on dirait. Et cette fois pour de vrai. Ouais, je crois que je suis un peu maso sur les bords. Qu'est-ce que... Et voilà notre... Et elle va revenir. Hé les jeunes, vous m'entendez là-haut? Ouais, je t'entends. Retrouvons-nous au barrage. Oh, et oncle Baird. Laissez suivre. Oh, pieds d'engin. On s'en est bien tiré, hein, mon biquet? En espérant pour ça prendre longtemps. On part en repérage pour voir à quoi on a affaire. Chapitre 3, alors, j'ai une personne dont tu voulais refuser l'aide et peut-être la seule capable de nous aider. Entre nous, tu trouves pas ça? Quoi que je te dise? Ironique. Ah, je le savais! Ah, non, tu veux courir! Merci, oncle Baird. Hé, hey, y'a pas de quoi! Merde, transporteur! Je suis là, lui.
D'accord, c'est comme ça que ça marche. Comme balle, mais je dirais le disque quoi. Ouais, c'est ça, c'est déjà le disque. Je demande une frappe aérienne. Frappe aérienne, chaud devant. Merci bien. Venez, on passe par le pont. Oh, je le sens pas là. Ah oui, ça y est, ça m'aurait étonné. Attention ! C'est parti. Super, maintenant on a un vernac. Ouais, mais cette fois, il se frotte à quelqu'un de sa taille. Il est blessé, tirez sur les coches. Roquette en approche. Des mastocs, hein? Nous on n'a pas peur des mastocs.
Moi j'ai fait ça toute ma vie. Ah, quand même un stock à mon avis, ceux qui sont... Je sais pas pourquoi je le sens pas. Les robots, on va les perdre, on est obligé. James, le barrage est droit devant. Calmez-le. Boum. Très bien. D'autres transporteurs. Et des écumeurs. Ok. Ok, on y va. Et je n'ai pas dit que la voie était libre. Je suis sûr que ça fait plaisir à Adèle. Non, on est bloqué. Besoin d'une frappe par ici. On peut pas passer. Fais sauter l'obstacle. Pulvérisé. Avec les robots, ils auraient pu pousser les bonnes. Merde, ça trouve à nous poser problème. Ouais, on est légèrement plus grand que lors du précédent passage. On peut peut-être passer à travers. Roquette envoyée. Ils ont eu mal, vous croyez? On recharge. Ok, le barrage est à deux pas. On dégage la roue. Allez, go. C'est énorme les robots, je kiffe. Oh, les têtes. Faites gaffe, un autre Vermac. Ah, elle est là, je le voyais pas. Acte 5, hein, parce qu'elle a fait un dieu. Et là, j'ai les robots, à mon avis, ils vont être fous. Ruche à vermine, 9h30 du matin. James, enfin, la ruche, droite, ça y est. Elle est à l'intérieur. Il va falloir tout détruire. Ouais, c'est le cœur de leur réseau. Alors allons la sauver. Qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va sortir de là? J'ai les capteurs sismiques qui s'énervent là! Oh la vache! Tire le hangar!
enculé quoi. Mais ça a pu, c'est foutu. Oh, et voilà. Ok, mais donc. Ok, sort, sort. Par contre. Eh merde! Dans quel état est ce faucon? Moteur principal, ok. Arrière absent. Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une idée. Prenez l'hélicoptère, ok. Ah, énorme, c'est fait, c'est là. Thank you.
Merde, j'ai raté. Ok, je continue, je peux faire, c'est bon. Voilà. T'es mort. Ouf. Ça c'est du boss, hein. Allons la sauver. Pourquoi puis j'ai pas confiance. Surprise. Ta mère est ma porteuse de main. Oh mon dieu. Ah oui. C'est qu'il monte tout, on dirait. Qu'est foutu pour elle? Tu le savais. Pas vrai. Eh oui. Ouais. Seulement je savais pas qu'on trouverait ça. Faut prendre la décision, moi elle est vivante, mais non. Pour me libérer. Je meurs. Ils ont pensé à tout. Katie, délivre-moi. Je t'en non, prie. Non, tu la achèves là plutôt. Non, JD. Vous ne pouvez pas la. Non. Laisse-moi lui dire au revoir. Mais tout le monde aurait pas les proches chaque fois en ce jeu. Tout le monde, hein. Ah oui, le couteau qu'elle avait cassé au début, on se bat contre l'autre. D'accord. Allez, vas-y. T'as pas le choix. Prends-le. Allez, mouvant la fin. Une belle fin. Une belle fin, une belle cinématique, comme ça je passe la fin encore, mais. Encore. Non. Je veux pas la laisser comme ça. Ça va aller. Thank you.
prend combien là? Ah oui, oui, ça arrive. Ils l'ont laissé toute seule. Faire ce qu'elle a à faire. Allez, va, on se voit. Ils connaissent tous ça, oui. C'est pas fini. Alors amène-la en lieu sûr. J'ai pas besoin qu'on me protège. Ouais, je sais. Et il te faudra du temps. Crois-moi, je suis passé par là. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue. C'est magnifique. Ouais, je demande ce que c'est quand même. Mais que ça veut dire que c'est important. Oh, c'est fini comme ça? Oh putain, donc c'est pas fini, donc il vient d'avoir un 5. Je pensais que c'était le dernier, moi. Oh putain, je me retrouve comme un con, là. Je m'y attendais pas du tout à ça. Ah ouais, putain, magnifique. Bon, mais en tout cas, ça reste un magnifique jeu, franchement, rien à dire. J'ai vraiment galéré parce qu'il est assez dur. Même si la fin, par contre, le dernier chapitre est relativement facile. Bon, enfin, si j'ai galéré plus aux autres que celui-là. Mais bon. Mais franchement, la fin magnifique avec les robots et tout. Belle cinématique. Le jeu en lui-même est splendide. L'histoire, j'adore. Enfin, quoi dire de plus, hein. J'étais vraiment content de faire cette aventure avec vous et. Ce sera un jeu que je recommencerai bon, avec plaisir. Putain, je m'attendais pas du tout à ça à la fin, franchement. Je suis trop content d'avoir fini. Franchement. Mais il me semble que j'avais compris que c'était l'ultime de la série, et vu comment ça se finit, c'est pas encore fini en fait, apparemment. Ce qu'il ne fait aussi comme ça là, franchement, c'est. Ça devrait pas exister quoi. Putain, c'est quoi cette fin merdique là? Vraiment, il a dit que c'était pas fini, Marcus, donc c'est bizarre.
Du coup, faudrait que je m'installe les autres parce que j'ai eu les trois premiers, enfin les quatre qui s'est sorti avant. Donc les trois. Les trois avec Marcus et l'autre c'était un spin-off, mais. Même si c'était sur la version Xbox 360, ça peut être sympa de les faire quand même. C'est magnifique la musique. Thank you.
Ah non, je crois que c'était la fin de... Param param papam param param papam param param papam param param papam param. Mais c'est pas l'acte 5, c'était l'acte 6, putain, il s'est planté. Ah oui, la fin des écritures. Parce qu'il y a une petite cinématique, ça serait bien sympa qu'il y ait une petite cinématique, là qu'on comprenne peut-être un petit mieux s'il y a une suite ou quoi. Enfin, logiquement, vu comment ça se termine, c'est sûr qu'il y aurait une suite. Enfin, pour moi, une fin comme ça, 10 suites. Alors? Ah, voilà. Ouais. Ah, il va avoir une... Alors, où ils sont tous passés?
C'est quoi cette affaire? T'es pas sérieux. Putain, trop fort. Bon, mais voilà. Donc, sur ce, les amis, nous avons fini Gears of War 4 ensemble. J'espère que cette aventure vous aura plu. Voilà. Et franchement, c'est un jeu sublime. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu. Laissez les petits pouces bleus. Enfin, voilà. Du moins sur YouTube et sur Twitch. Et bien, abonnez-vous. Et faites ce que vous voulez. Voilà. Allez, ciao, ciao, les amis. C'était Ghost of Shadow.